Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 12 avril 2024. Une livraison que nous débutons par... les Émirats Arabes Unis. Al Jazeera est parti arracher le point du nul chez Al Ain dans le match comptant pour la 18e journée du championnat des Émirats Arabes Unis. Titulaire, et ce pour la 7e fois consécutive, Neskens Kebano s'est illustré en délivrant une passe décisive à son coéquipier Bruno à la 11e minute de jeu. Malheureusement pour l'international congolais, il sortira sur blessure à la 35e minute alors que son équipe menait 0 but à 1. En attendant de connaître la gravité de sa blessure, nous lui souhaitons d'avance un prompt rétablissement. Son temps de jeu est de 1749 minutes sur 2337, 22 matchs joués sur 24. Il a marqué 5 buts toutes compétitions confondues et délivré 3 passes décisives. Al Jazeera est 8e au classement avec 37 points, 6 victoires, 4 nuls et 8 défaites. 38 buts marqués pour 37 buts encaissés. Prochain rendez-vous pour Al Jazeera, ils recevront encore Fakan Club pour le compte de la 19e journée du championnat des Émirats Arabes Unis. Neskens Kebano, c'est bien dommage, hein, moi qui espérais peut-être le voir être appelé du côté de la tanière pour les prochaines échéances. Malheureusement, il se blesse encore alors qu'il était bien entré dans ce match. Hein. Un match que j'ai joué en tant que parieur, mais je n'avais pas joué en faveur de Neskens Kebano parce que je ne m'attendais pas en tout cas que son équipe puisse gagner. J'avais 3e du championnat en plus. Franchement, j'avais joué en tout cas que cette équipe qui recevait ne puisse pas perdre. Ils ont fait 2 buts partout et c'est... ça s'est bien passé plutôt pour moi. Dommage pour Neskens Kebano, mais affaire à suivre, hein, sur la gravité de sa blessure. Et si ce n'est pas grave, pour moi, Neskens Kebano a tout à fait sa place dans la tanière. Alors, nous quittons les Émirats Arabes Unis et Neskens Kebano. Nous allons cette fois-ci du côté de l'UEFA, où l'on jouait les quarts de finale aller de l'Europa League. 2 Congolais étaient concernés, dont un international et l'autre binational qui hésite encore à choisir entre la France et la République démocratique du Congo, et les 2 Congolais ont perdu. Chancel Mbemba Mangoulou avait été bien évidemment titularisé, hein, comme on s'y attendait, avec des difficultés que connaît en tout cas l'équipe de Marseille à la suite de plusieurs blessures. Chancel Mbemba, qui revenait de blessure, a été aligné d'entrée par son entraîneur Jean-Louis Gasset, mais l'international congolais n'a pas disputé l'intégralité de ce match. Il a été remplacé à la 68e minute de jeu, portant ainsi à 3141 minutes son temps de jeu sur les 3596 minutes possible. Chancel Mbemba aura participé à 34 des 37 matchs avec son équipe, avec à la clé 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Et le média français RMC Sport, hein, nous donne tout de même un film de ce match qui a opposé l'Olympique de Marseille au Benfica de Lisbonne du côté du Portugal. Je vais vous lire cet article, hein, qui va beaucoup nous renseigner, qui va donner très certainement aussi des nouvelles du demi-dieu congolais, l'âme du boulot, Palais Boulon. Directeur Benfica OM, Marseille s'incline mais limite la casse. Au cœur d'une saison très compliquée, l'OM avait à cœur de poursuivre sa belle page européenne ce jeudi face à Benfica pour le quart de finale aller de la Ligue Europa. Dominé pendant près d'une heure par les Lisboètes, les Phocéens ont réduit la marque et ne se sont finalement inclinés que d'un but. 2-1 était le score final, de quoi garder un espoir de qualification. Il va être important
Aubameyang savoure son but qui laisse de l'espoir aux Marseillais. Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant de l'OM, garde espoir pour la qualification après son but inscrit sur le terrain de Benfica jeudi en quart de finale aller de la Ligue Europa. Je pense qu'il va être important à confier l'ancien joueur de Dortmund et d'Arsenal au micro de RMC Sport à l'issue de la rencontre. Le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue Europa avec 34 buts vise désormais la victoire jeudi prochain sous le coup de 21h au Vélodrome face au Portugais. Il faut pousser pour gagner le match retour, ajoute-t-il. On a su rester soudés parce que ce n'était pas facile de jouer ici. Il faut dire la vérité, ils ont bien joué aussi. Le but nous laisse encore dans la course. Le message plein d'espoir de Gasset avant le bouillant match retour au Vélodrome. Tout est possible, bien sûr. On est en vie, à positiver Jean-Louis Gasset au micro de RMC Sport après cette première manche. À 2-0, on n'était pas très bien. On avait beaucoup d'éléments contraires. On a perdu Quentin Merlin sur une entorse de la cheville. Mais on a fait une dernière demi-heure pleine de qualité, d'orgueil, d'envie pour dire qu'on ne veut pas quitter cette compétition. On avait dit de faire un score qui était confortable. C'est vrai qu'on a perdu le match, mais on est en vie et devant nos supporters, on va tout donner avec eux, a conclu Jean-Louis Gasset ce jeudi soir. Balerdi, quant à lui, a dit ceci: on a de l'espoir. On n'était pas bien. On a beaucoup changé de système et de joueurs dans le match. On a de l'espoir. On va à la maison et là-bas, on va leur faire sentir. Bako sentir, comme on aime dire à Lingala. Bako sentir, va sentir chaleur. Un premier diagnostic pour Quentin Merlin. Les examens doivent encore confirmer le diagnostic, mais ce serait une grosse entorse de la cheville pour Quentin Merlin. Le latéral Mars est sorti sur civière juste avant la mi-temps. Après la rencontre, l'ancien Nantais a quitté le stade à l'aide des béquilles. C'est fini, l'OM s'incline mais garde un espoir. Malmené pendant une heure, l'OM, un temps mené 2-0, a su réduire l'écart et limiter la casse. Marseille, qui a montré un meilleur visage dans la dernière demi-heure, devra tout de même marquer jeudi prochain au Vélodrome pour se qualifier dans le dernier carré. Il faut rappeler que la règle du but marqué à l'extérieur ne compte plus. Donc il faudra que les Marseillais, s'ils veulent se qualifier, marquent au moins 2 buts d'écart. Puissent remporter ce match avec au moins 2 buts d'écart. Alors, pour Marseille, malheureusement, c'est une défaite de plus. C'est leur 5e défaite d'affilée. Et ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. Même si au regard de la physionomie du match et au regard du score aussi, on peut dire que c'est pas mal pour une équipe qui avait aligné avant ce match 4 défaite. L'Olympique de Marseille avait perdu contre Villarreal en Espagne sur le score de 3-1 avant d'être battu en Ligue 1 du côté du stade rennais d'Arnaud Calimundo 2-0. L'Olympique de Marseille battu également à Lille 3-1 après leur défaite à domicile contre le PSG sur le score de 0-2. Vous remarquez que les 4 dernières défaites avant d'affronter le Benfica, c'était toujours avec 2 buts d'écart. Et là, les Marseillais étaient beaucoup plus soudés. Je ne sais pas si c'est la présence du demi-dieu congolais Chancel Mbemba Mangoulou. Marseille certes a encaissé 2 buts, mais en a inscrit aussi un, ce qui fait que Marseille a perdu avec un écart d'un but. Alors l'écart de finale, le retour, ce n'est pas très loin, puisque le match de la prochaine journée de Ligue a été décalé, probablement pour permettre aux Olympiens de pouvoir récupérer et donc être dans des meilleures dispositions avant cette rencontre face au Benfica. Pour le retour, c'est prévu pour le jeudi 18 avril prochain, sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ce match. Si Chancel Mbemba aligné en défense, dans une défense à 3, il était côté droit. Comment l'avez-vous trouvé? Bon, on était heureux de retrouver notre demi-dieu congolais, mais bon, il faut dire aussi que ça se voyait qu'il n'était pas à 100%. Moi, j'avais l'impression vraiment que plusieurs personnes aussi, l'observateur aussi, l'ont rendu le voir, qu'il jouait avec le frein à main. Et c'est vrai que ça se voit que physiquement, il n'était pas au point. Parce que même dans les duels, il n'y allait pas vraiment à 100%. Et
on a vu que c'était vraiment compliqué. Il faut dire que la défense de Marseille, ça fait quand même plusieurs semaines que ça ne va pas. C'est vrai qu'il y a chaque fois, chaque semaine, il y a des changements suite à des blessures. Il y a encore Merlin qui s'est blessé hier, donc c'est compliqué pour avoir la cohésion avec, pour jouer chaque fois avec le même 11 pour l'entraîneur Gasset. Mais il y a ce but d'Aubameyang laisse entrevoir quand même de l'espoir. Hein. Ça laisse quand même entrevoir de l'espoir et tout est possible. On pourra dire dans ce cas-là, dommage qu'il n'y a plus de but marqué, que le but marqué à l'extérieur ne compte plus double, parce que là, il aurait suffi seulement d'une victoire de 1-0 de l'Olympique de Marseille pour se qualifier. Mais les choses sont simples. Marseille doit gagner au minimum pour aller aux prolongations et aller au tir au but, mais ils doivent gagner au moins par un but d'écart et après... Donc pour rester en vie, ils doivent gagner. Pour ça, il faut marquer. Mais j'ai l'impression dans cette équipe de Marseille, si Aubame ne marque pas, il n'y a personne d'autre qui peut marquer. Parce que même à Lille, bien que ça certes, je crois qu'on lui a accordé le but, c'était un autogol, mais je crois qu'on lui a accordé le but. C'est toujours lui qui marque. Donc vous avez parlé de Aubameyang, qui est le meilleur buteur de l'Europa League, avec 34 buts. Ouais. Aubame est le premier Africain à inscrire 10 buts sur une seule campagne d'Europa League. Le précédent record était détenu par Cédric Bakambu avec 9 buts lors de la saison 2015-2016 lorsqu'il évoluait dans le club espagnol. Un ancien Marseillais. Et Villarreal avait été éliminé en demi-finale par Liverpool qui avait remporté l'Europa League. Donc ce but-là fait du bien à Marseille. Et aussi, ça nous permet aussi de battre le record de notre Baka Goal national. Alors, Chancel Mbemba, le demi-dieu congolais, n'était pas à 100%. Hein, on l'a remarqué, vous l'avez remarqué lors de ce match. Il est sorti à la 68e minute, ce qui n'est pas en tout cas son habitude. Hein, on a d'ailleurs eu très très chaud. Mais des nouvelles sont plutôt rassurantes. Hein, Jean-Luc Gasset s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet. Hein, comme nous le rapporte le média marseillais, Foot Marseille qui titre, Gasset Mbemba s'est sacrifié. Je vais tout simplement vous lire cet article, un court article, mais qui nous renseigne sur l'état du Chancel Mbemba Mangolo. Face au micro de RMC Sport, Jean-Louis Gasset a maintenu un discours positif après la défaite concédée contre Benfica. Le technicien y croit pour le retour. Si tout est possible, bien sûr, on est en vie. À 2-0, on n'était pas très bien. On avait beaucoup d'éléments contraires. On a perdu Quentin Merlin sur une entorse de la cheville. Chancel Mbemba, qui lui-même revient de blessure, ne pouvait plus. Donc, il s'est sacrifié. Ce sont des choses à relever. Mais on a fait une dernière demi-heure pleine de qualité, d'orgueil, d'envie pour dire qu'on ne veut pas quitter cette compétition. Il pense certainement que l'équipe a tenu le cap fixé avant le match. On avait dit de faire un score qui était confortable. C'est vrai qu'on a perdu le match, mais on est en vie et devant nos supporters, on va tout donner avec eux, a-t-il ajouté. Pour rappel, les Marseillais disposent d'une semaine pour récupérer et penser les plaies en vue du match retour. Le match prévu en Ligue 1 ce week-end a été décalé et pour cause. Jean-Louis Gasset, qui le dit, Chancel Mbemba s'est sacrifié parce qu'il a remarqué qu'il n'était pas en tout cas à 100%, mais pour l'équipe, l'intention qu'on laissait sacrifier, mais finalement, à un certain moment, il n'y parvenait plus. C'est ainsi qu'il a été remplacé. Heureusement que ce n'est pas la suite d'une aggravation de sa blessure. Chancel Mbemba va certainement récupérer pendant toute cette semaine. Je crois qu'ils ont le temps, en tout cas, pour le récupérer. Alors, je l'ai dit, Chancel Mbemba n'était pas le seul Congolais qui a joué et qui a perdu. D'ailleurs, il y en a un autre, mais lui n'est pas encore international congolais. Il hésite encore entre la France et la République démocratique du Congo. Eux également joué le quart de finale aller de l'Europa League. Pierre Kaloulou tombe à domicile contre l'AS Roma de Romelu Lukaku. L'unique but de la partie était l'œuvre de Gianluca Mancini à la 17e minute. Malgré tous leurs efforts, les Milanais ne sont jamais parvenus à revenir à la marque. Tout devra donc se jouer lors de ce match retour, mais cette fois à Rome. Espérons qu'ils y parviennent. Espérons aussi que Pierre Kaloulou pourrait être présent parce qu'il faut le rappeler, il est blessé. Il n'a pas pris part à cette rencontre. Et pour rappel, le plus jeune des trois frères Kaloulou reste bien évidemment éligible pour jouer avec la République démocratique du Congo. Il a vu son temps de jeu stagner à 349 minutes sur les 4 000
2238 minutes possibles, il n'aura participé qu'à 8 des 44 matchs avec son équipe comité de freinage. Je sens là en tout cas, je sens le comité de freinage sur la carrière de ce jeune. À partir du moment où il n'a pas encore fait son choix, que le comité de freinage le laisse tranquille. Un bon système à Tindika Tchakal. Parce que là, vraiment, même en équipe nationale de la RDC, il risque de ne pas venir si finalement il n'a même plus de temps de jeu, il se blesse à tout bout de champ. Alors, prochain rendez-vous pour Milan, ce sera pour le compte de la 32e journée de Serie A et un déplacement sur le terrain de Sassuolo le dimanche 14 avril 2024 sous le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. On reste donc scotché sur des nouvelles concernant notre demi-dieu congolais, mais à première vue, rien de grave. Chancel Mbemba va bien, le capitaine de la RDC va bien. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison de ce vendredi 12 avril 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue sur ce sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à DiascoFoot, parce que nous sommes les meilleurs du football de la diaspora congolaise. Merci aussi d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Merci encore une fois. En attendant, portez-vous bien. DiascoFoot vous dit au revoir.